29 octobre 1923, Mustafa Kemal, le futur Atatürk, proclame la République de Turquie. Plateau d'Asie tendu vers l'Europe, la Turquie est à cheval sur deux continents, par le sas de la mer de Marmara et de ses deux détroits, les Dardanelles et le Bosphore. Deux passages stratégiques qui sont à la fois pont et rempart entre les peuples, car chaque détroit a vu passer ses conquérants. Le détroit des Dardanelles est ouvert sur la mer Égée, et les paysages un peu mornes qui le bordent n'ont rien de tragique, si ce n'est qu'en 1915, ils ont été le théâtre de l'une des plus sanglantes batailles de la Première Guerre mondiale. 100 000 morts, dont 15 000 Français reposent ici. Théâtre de ces opérations, la presqu'île de Gallipoli est aujourd'hui un parc national historique et un lieu de mémoire. Mer entre deux mers, la Marmara donne accès à la mer Noire par le détroit du Bosphore qui coupe Istanbul en deux. Istanbul est une ville plurielle, à la fois moderne et traditionnelle. Byzance, Constantinople, Istanbul, chacun des noms passés ou présents de cette grande cité évoque la puissance et les fastes orientaux. Cité très convoitée, la ville de Soliman le Magnifique garde de nombreux témoignages de sa splendeur passée. À l'abri des regards, nous découvrons une extraordinaire citerne byzantine dans une atmosphère des plus féeriques. Ce palais englouti servait aux Ottomans pour alimenter Topkapi en eau. Dominant la Corne d'Or, le Bosphore et la mer de Marmara, Topkapi, la merveille d'Istanbul, occupe un site de rêve. Tous les sultans y ont résidé jusqu'au XIXe siècle. Siège du pouvoir et de diverses institutions liées à la cour, le palais abritait entre 4000 et 5000 personnes. Le harem, une institution islamique et un fantasme occidental. Entre ses murs, ornés de faïences bleu d'Iznik, dans ses corridors de marbre blanc, baignés par les vapeurs des hammams, régnait une stricte discipline. Bien plus qu'un lieu de voluptueuse débauche, le harem était le théâtre de luttes farouches et d'intrigues sanglantes entre esclaves, concubines et épouses. Une immersion dans la frénésie du marchandage va définitivement nous tirer de l'extravagance et du rêve pour nous faire entrer dans la caverne d'Ali Baba. Le Grand Bazar est le marché couvert le plus célèbre du monde. Il a conservé son atmosphère d'antan, qui évoque tout l'exotisme de l'Orient. Il déborde largement dans toutes les ruelles du quartier, ce qui fait qu'on y entre et on en sort, sans trop s'en rendre compte, par l'une de ses 18 portes. Au grouillement sérieux du bazar, on peut préférer l'ambiance des quais et l'animation joyeuse des ponts. Et enfin terminer notre visite d'Istanbul, en remontant le Bosphore en bateau. Un bien-être rare qui se métamorphose en spectacle sans prix. Incontournable, Istanbul a aujourd'hui perdu son statut de capitale politique, mais elle reste la capitale culturelle et économique du pays.
vitrine sur l'Europe, Istanbul s'ouvre aussi sur la virule des steppes, car cette grande mégalopole est le principal réceptacle d'un important exode rural. De cosmopolite, elle est ainsi devenue la ville la plus anatolienne du pays. Profondément rurale, l'Anatolie, l'Asie mineure des anciens, représente 97% de la Turquie et se situe en territoire asiatique, coincé entre la mer Noire au nord et la Méditerranée au sud. Monde continental et montagneux, l'Anatolie est une immense péninsule dont la pointe occidentale pénètre dans la mer Égée. Terre tourmentée, hérissée de volcans et de collines pelées, elle forme une zone sismique sujette à de nombreux tremblements de terre. Cœur historique et politique du pays, l'Anatolie centrale est un plateau sévère, presque désertique, où se sont épanouies les plus anciennes civilisations. Ici, au pied d'une écharpe de montagne, isolée en plein cœur de ce plateau anatolien, Konya marque les portes d'une immense steppe. Elle a une réputation de ville sainte et mystique. Visite le monde, mais visite Konya, dit l'adage turc. Capitale du sultanat seldjoukide de Rum, elle a accueilli la secte soufie des derviches tourneurs. Aujourd'hui, c'est une ville pieuse et populeuse où règne une ambiance parfois conservatrice. En poursuivant vers l'est, l'Anatolie centrale prend soudain un aspect irréel. Sculptant les laves des volcans, l'érosion a découpé des milliers de cônes et de cheminées de fées. C'est la Cappadoce, véritable enclave au cœur du plateau anatolien. L'une des régions les plus étonnantes de Turquie. Mais la beauté sauvage de ces contrées ne saurait faire oublier l'hospitalité légendaire des Anatoliens. C'est un des fondements de leur mode de vie. Une hospitalité rustique qui conduira souvent jusqu'à la maison, domaine exclusif de la vie familiale et régi par la toute-puissante maîtresse de maison. L'Anatolien est un être grave qui prendra prétexte de tout pour rendre service ou prouver son amitié. C'est peut-être cela la magie turque. Beaucoup plus à l'est, ce sont déjà les grandes steppes d'Asie centrale, pays de montagnes et de hauts plateaux, que la timidité touristique a laissé intacte. En Anatolie occidentale, le décor est bien différent. Des dépaysements grandioses, avec des richesses géologiques uniques au monde, de belles promenades archéologiques, et une côte égéenne très découpée, d'une beauté sauvage. Dans sa partie sud-ouest, l'Anatolie occidentale offre une nature et des paysages aux reliefs accidentés qui ont creusé de vastes dépressions. C'est la région des Grands Lacs. Peu touristiques, ces endroits sont tranquilles et agréables. Sous les tonnelles, on y contemple des paysages reposants et romantiques à souhait. Encore un autre décor sur la côte méditerranéenne. De belles plages, avec 2 degrés de plus qu'en mer Égée. La côte turquoise, dont il faut découvrir les paysages en bateau, offre une infinité d'excursions. Formidable balade parmi les îles, avec en prime de séduisantes perspectives de convivialité.
parfois sauvage, parfois infranchissable, la montagne domine tout le littoral et cache dans ses contreforts une autre nature de toute beauté. Arbre de fraîcheur, les canyons et les gorges, dont les aménagements ont effacé une part du charme sauvage, restent néanmoins des sites très agréables. Ce pays surprend vraiment par la beauté et la variété de ses paysages, prétexte, dit-on, à mille légendes. S'il en est une bien connue, c'est celle qui illumine, chaque fin d'année, le visage des petits, mais aussi parfois celui des grands. Premier évêque de l'église de Mira, Saint Nicolas est devenu le patron des enfants. Ses mérites et ses miracles en feront l'un des saints les plus renommés du monde oriental. En Europe du Nord, accompagné du père Fouettard, il distribue les cadeaux aux enfants qui le méritent. Métamorphosé en Père Noël au XIXe siècle, inséparable de son traîneau et de ses cadeaux, il est depuis fêté aux quatre coins du monde. Voici une légende qui nous projette opportunément dans l'univers des cadeaux et des souvenirs. Impossible de parler de l'artisanat turc sans évoquer les tapis, indissociables de la culture anatolienne. Le tapis fait partie intégrante du mobilier, depuis des siècles, voire des millénaires. Noué ou tissé, le tapis n'est pas seulement décoratif. Ses dessins, ses couleurs, traduisent des normes sociales et des besoins domestiques bien spécifiques et propres à chaque peuple. Sacs, chaussures, vêtements, la qualité du travail du cuir jouit ici d'une excellente réputation. La poterie fait aussi partie de la culture anatolienne et offre une variété incroyable de réalisations. Ne serait-ce que pour le plaisir des yeux, il faut s'attarder dans les ateliers où s'effectue un travail artistique, méticuleux et raffiné, et admirer le savoir-faire des artistes. L'artisanat de la Turquie est riche et varié, avec bien d'autres spécialités. Chaque région de ce magnifique pays possède ses trésors, son histoire. Des richesses qui se décryptent à l'ombre d'un patrimoine qui est le plus riche du bassin méditerranéen. Avec un tiers de surface depuis que la France, on ne peut en faire le tour en une seule fois. Entre Istanbul en sur-régime et Konya la religieuse, la palette est large. Et au large de la palette, il y a la nature, humide au nord, sèche et parfumée sur la côte méditerranéenne, et d'une austérité grandiose dans le centre montagneux. Il y a des contrastes vifs entre son relief, son climat et sa population, souvent issue des plus anciennes civilisations. C'est le charme de l'inattendu qui fait de la Turquie un pays attachant, où certains aiment à retourner. On peut les comprendre. Cette mosaïque de territoires et de populations se rapproche et tente de combler les failles qui subsistent encore d'une histoire plus que millénaire.